Bonjour, bonjour, bonjour. Alors ça y est, me revoici pour mes tutos make-up, mais ça va être des tutos make-up couleur parce que j'ai envie de revenir à de la couleur, les couleurs de la vie parce que je trouve que c'est tellement compliqué en ce moment que je vais commencer à faire des petites choses plus rigolotes et refaire des thèmes couleurs un peu sur mon feed. Alors, j'étais pas trop en forme aujourd'hui, enfin je suis pas spécialement en forme. Mais je me dis qu'en faisant ça, eh bien, ça me redonnera de l'énergie. Et puis vous, ça vous fera penser à autre chose pour certaines d'entre vous, quand vous me regarderez, qui ne sont pas spécialement en forme. Alors, on fait toujours l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne que j'ai pris, c'était le Ilia. Celui-là, le Ilia que vous connaissez. Voilà. Ensuite, je vais mettre sur les paupières, le primer, parce que comme je vais mettre du orange, il faut que ça tienne bien. Et oui, du orange, c'est une couleur peps, c'est une couleur, comment dire, de la vitalité. Et je trouve que ça donne bonne mine. Alors, on va voir ce que ça va donner, parce que je vais tout faire en direct avec vous. Mais ça va être que dans le orange. Un peu de folie, ça fait du bien, parce que là, franchement. Alors, petit. Oh là là, alors j'en ai mis trop. Petit truc pour les sourcils. Il y en avait trop sur le pinceau. C'est pas grave, on va rattraper ça après. Voilà, alors du orange, évidemment, je ne me fais pas le teint encore une fois. Je sais que le teint est essentiel, mais comme je ne suis pas encore verte de couleur, que j'ai encore pas trop mauvaise mine, vous pouvez voir. Ben, j'ai pas envie de me faire le teint. Excusez-moi pour celles qui disent le teint est un indispensable, oui, mais cette fois-ci, ça sera sans le teint. Alors, je vais récupérer mes pinceaux que je vais utiliser. C'est celui-là mon préféré en fait. Je sais même plus d'où il vient celui-là, tellement il est vieux, mais c'est celui que je préfère. Alors, j'ai beaucoup d'orange. J'ai celui-là. Je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser les bases de ma grande palette du premier confinement. Je vais d'ailleurs commencer par celle-là pour mettre une base sur mes paupières un peu orangées. On va commencer direct. Toujours mon petit chiffon, je l'ai récupéré comme ça je peux passer quand j'en ai mis. Donc je vais mettre, j'ai mis mon primer et je vais mettre un petit peu de orange. Voyez, sur ma paupière, sur la paupière en totalité. Donc déjà, on commence à voir du orange apparaître sur mes yeux. Alors, on ne sait pas ce que ça donnera. Ah, je vois le rayon de soleil. Vous voyez le rayon de soleil? Il voit déjà que je fais quelque chose de plus lumineux. Alors, c'était sur Jaclyn Hill. C'était la deuxième. J'ai mis celle-là. Alors après, je vais utiliser cette orange-là de chez NYX. C'est celle après le jaune. Là, je vais mettre alors un petit peu d'orange. Je vais l'utiliser avec ce pinceau pour la mettre en ras de cils pour voir ce que ça donne. Ou alors peut-être, non, mais peut-être, je vais le monter même. Attendez, déjà, il faut que je vois quelle couleur apparaît. Ah oui! D'accord. Alors je vais la mettre ici. Elle est un peu nacrée en fait. Alors je la mets à ce niveau-là. Voilà. Alors moi je ne sais pas. Avec mes paupières enfoncées, je ne peux pas mettre de, comment dirais-je, je ne sais pas comment mettre. Si j'en mets sur toute la paupière, ça va faire horrible. Donc, je mets vraiment dans le creux. Je vais faire un dégradé de orange. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais mettre un peu plus de orange. C'est plutôt du cuivre, mais c'est pas grave. Je vais utiliser cette couleur-là qui est ici, cette couleur-là qui est au fond là. Ça va faire orange cuivre, vous voyez. On fait des petits mélanges parce qu'en fait, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, j'en remets ici. Un peu les yeux, un peu fatigués. Qu'est-ce que je pourrais rajouter?
Ben, je pourrais ajouter un peu de glitter qui est ici. Alors là, je vais mettre ce glitter. Alors là, c'est vraiment du brillant brillant. Je vais en mettre au ras des cils. Voilà, vous voyez, glitter au ras des cils. Vous voyez, ça donne un petit peu plus de lumière et c'est peut-être plus sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, enfin moi je trouve ça pas mal. Alors, je vais mettre, on a dit du orange sur les joues. Vous voyez, ça va être assez rapide quand même. Je ne vais pas passer 3 heures non plus à faire le make-up. Je mets un peu d'orange d'Ilia, vous savez que j'adore Ilia aussi. C'est une de mes marques make-up préférées. Et après, j'ai le choix entre... Bon, j'ai oublié de me mettre du mascara. Alors, je vais mettre mon mascara. Voilà, hop, le mascara. Écoute, excusez-moi, je ne mets pas la glace. Je ne voudrais pas mettre la glace devant. Voilà, ça donne un petit peu, vous voyez, ce que ça donne, le orange comme ça. Alors... pour les lèvres, c'est ça qui va flasher, qui va péter. J'en ai 3. 1, 2, 3. Ce sera toi que je mettrai. Donc, on va mettre celui-là. Pourtant, moi, je voulais mettre celui-là. Alors, il faut les secouer, ceux-là, un peu. Hein. Alors, ils sont très... c'est des petits marqueurs. Mais je ne sais pas s'ils marchent bien encore. Vous voyez ? Sont des petits marqueurs. Voilà, là, il y en a un peu plus. Voilà. C'est pas très pratique, hein. J'essaie d'en mettre un petit peu. Normalement, ça sèche. Je regarde si j'en ai pas mis sur les dents. Voilà, donc il y a du orange. Bah, écoutez, je ne vais pas rajouter autre chose. Ça sera mon maquillage orange. Vous voyez, ce n'était pas une grande folie. Je vais en remettre un petit peu au coin, là. Ce qui me reste sur mon pinceau. Je vais même en faire monter un petit peu ici, au-dessus de la paupière, en fait. Vous voyez ? Ce qui me reste sur le pinceau, je le mets au-dessus de la paupière, comme ça. C'est un petit peu plus fou que ce que je voulais faire, ce que je vous disais. Voilà. Alors, on dirait quoi? On dirait je sais pas quoi. Alors, est-ce que ça sèche, ça? Je suis pas folle de cette couleur, hein. Je ne suis pas folle de cette couleur. Je me demande si je ne vais pas rajouter un petit peu de celui-là. Voilà. Celui que je voulais mettre au départ. Oulou. Alors, mon maquillage orange, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal, hein? Dit-elle, très fière d'elle. Non, je rigole, mais bon, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'ai fait. Je vais faire mes petites photos avec des choses oranges. Et puis, je reviendrai avec une autre couleur. Dites-moi, je pense que je ferai du bleu la prochaine fois. Du bleu ou du vert, je ne sais pas encore. Voilà. Quand je fais ça. Toulou. Comme imiter Yasmine. Je vous embrasse et à plus. Je vais monter ma vidéo et vous la poster ce soir.